Non, ce n'est pas un pèlerinage. Plutôt la recherche d'une vérité. Le besoin d'un face-à-face avec un homme qui est certainement le plus grand criminel de son temps. Et un homme qui évoque singulièrement son temps, Pierrot le Fou. Oui, c'est ici, à l'UER de médecine légale, que l'on conserve le souvenir macabre de sa présence parmi nous. Et ce souvenir, c'est son crâne. Et je le regarde, ce crâne, et je me dis que c'est dans cette boîte en os que se sont forgés ses désirs de meurtre, ses désirs d'agression, d'attentat, de vol, de pillage. Cette haine multipliée qui résume le personnage. Alors, est-ce que justement, il en vaut la peine, ce personnage? Est-ce qu'il faut raconter la vie de Pierrot le Fou? C'est ce que je me demande en regardant ce crâne. To be or not to be, c'est la phrase qui vient à l'esprit. Et puis je me dis que si Pierrot le Fou, guape misérable, voyou dérisoire, mériterait d'être laissé dans l'oubli, l'époque dont il a été le produit, cette époque-là, pose toujours d'immenses énigmes à l'historien. Et l'historien se souvient que finalement, il y a eu un grand projet en 1940, un projet forgé par l'occupant de la France, c'était d'enlever son âme à la France. Et quand on suit à la trace Pierrot le Fou et quelques autres que nous allons rencontrer avec lui, eh bien on se dit que ce projet a bien failli réussir. Début du mois d'août 1944, il y a 2 mois que les Alliés ont débarqué en Normandie, et en Europe et dans le monde, on sait que les Allemands vivent leur dernière semaine en France. Et alors, tout s'exaspère en France. Justement, les résistants, dans leur impatience, commettent de folles imprudences. Les collaborateurs, furieux d'avoir choisi le mauvais camp, assouvissent d'affreuses vengeances. Et ce jour-là, dans un bar de Toulouse, l'Hélice Bar, il y a 2 hommes qui sont assis. L'un d'eux s'appelle Henri Benciano, c'est un résistant. L'autre s'appelle Pierre Rousse, c'est un grand résistant parce qu'il a succédé récemment au chef d'un réseau, le réseau Morange, Marcel Taliandier. Un réseau qui a fait un travail immense dans cette région, un réseau qui avait pourchassé les membres français de la Gestapo, les délateurs, les tortionnaires. Et puis Marcel Taliandier avait été abattu par la Feld Gendarmerie. Pierre Rousse lui succédait. Et Pierre Rousse était là parce qu'il y avait un grave problème qui se posait pour lui. Il voulait mettre fin aux activités d'un personnage néfaste entre tous qui s'appelait Cavalerie. C'était son nom, son véritable nom, Cavalerie. Parce que Cavalerie, ex-membre de la LVF, représentant du francisme, serviteur des Allemands, avait démantelé des réseaux, vendu des centaines de Français, et récemment à Figeac, avec des SS. Il avait fusillé 20 citoyens innocents, pris au hasard, arrêté 100 personnes, promis à la déportation. C'était insupportable, il fallait que Cavalerie paye. Mais voilà, c'est que le réseau Morange était décimé par les Allemands, il fallait un homme sûr auprès de Pierre Rousse, il le cherchait. Les jeunes gens qui étaient ses amis, ses disciples, n'avaient pas l'expérience. Et il disait à son ami Benciano, il faudrait quelqu'un pour conduire la voiture. Moi, j'ai besoin d'être totalement libre pour aller le tuer à la terrasse du Café des Sports, je sais qu'il y sera. Mais il faut que je saute dans la voiture et que quelqu'un, un as du volant, enlève la voiture. Mais qui? Et Benciano lui dit, mais tu sais que je n'ai même pas mon permis de conduire. Mais oui, je ne parle pas de toi.
Et pendant cette conversation, il y avait, au comptoir du bar, un homme. Un homme qui, de temps en temps, les observait d'un regard insistant. Un homme pas très grand, 1m70 à peu près. Et à un moment où les Français, à la fin de l'occupation, usaient leurs costumes, leurs complets et limés, lui, il avait un costume extraordinaire, coupé par les meilleurs faiseurs dans une étoffe trop belle. C'était gênant. Qui était cet homme et pourquoi les regardait-il? Pierre Rousse a baissé la voix. À cette époque-là, quand on vous regardait, on se méfiait. Oui, il faut que tu me trouves quelqu'un, dit-il, Benciano. Et Benciano, à ce moment-là, du menton, lui montre l'homme qui est là, au comptoir, et lui dit, j'ai ton affaire. Quoi, ce type-là? Oui. Tu le connais? Oui. Il est bien? C'est une ordure. Quoi? La pire des ordures. Membre de la Gestapo de l'avenue Foch à Paris. Mais alors, dit Pierre Rousse, tu n'y penses pas? Si tu as besoin de quelqu'un d'efficace, il est redoutablement efficace. On ne travaille pas avec une ordure. Un membre de la Gestapo, un homme qui a vendu des résistants, des juifs, qui a torturé, car il avait fait tout cela, l'homme qui était là, avec sa cigarette et qui buvait force bière au comptoir. Mais il fallait tuer Cavalerie, il fallait abattre Cavalerie, il fallait l'empêcher de nuire, et il dit « d'accord ». Et voyez-vous, je pense que dès l'abord, ce que je disais à l'instant se vérifie. Les Allemands avaient juré de brouiller les cartes, de faire que les Français s'égarent à droite, à gauche, partout, que ce qui semblait la vérité, la loi, eh bien cesse d'être la vérité et la loi. Un résistant choisit de travailler avec un collaborateur. Et je pense à ce qu'a signalé l'un des meilleurs biographes de Pierre Loutrel, Gilbert de Flaise. Il a dit le résistant Pierre Rousse était en présence d'une crapule de la pire espèce qui était là dans le bar. Il allait se donner un mal infini pour tuer une autre crapule de la pire espèce. Est-ce que la logique n'aurait pas dû le conduire à tuer plutôt tout de suite la crapule qui était devant lui? On a un peu le vertige quand on lit des choses pareilles, mais cela nous ramène à la réalité de l'époque. Et Pierre Rousse va engager l'homme qui s'est présenté, Pierre Loutrel. Voilà, il est entré en scène. Celui qui va être Pierre le Fou. Et Pierre Loutrel va conduire la voiture, arrêter la voiture là où il faut, près du Café des Sports. Pierre Rousse jaillit de la voiture, va vers la terrasse où est assis au milieu d'une foule de consommateurs, nous sommes en été, Cavalerie. Là-bas, à bout portant, il retourne vers la voiture, sans hâte, sans se soucier des cris des consommateurs. Il saute dans la voiture et la voiture part à toute allure. On va se rafraîchir à l'Hélice-Bar. Seconde mission, abattre l'adjoint de cavalerie. Et cette fois, Pierre Loutrel, qui tutoie d'un seul coup Pierre Rousse, lui dit « Laisse-moi le tuer. Prends le volant. Je te jure que ça me fera plaisir. » Et dans le ton de sa voix, il y a déjà tant de joie que Pierre Rousse comprend. Il est en présence d'un tueur, de ce qu'on appelle un vrai tueur. Alors ce sont les débuts dans la résistance de Pierre Loutrel, futur Pierrot le Fou. Mais comment devient-on Pierrot le Fou? Alors un petit garçon qui
né et grandi dans la Sarthe, qui dès l'adolescence sait qu'il ne vivra pas comme ont vécu ses parents, ses amis. Il a soif d'aventure, alors il s'engage sur un bateau, le voilà qui fait le tour du monde. Il connaît tous les continents, tous les ports, et dans les ports, la pègre. Et quand il en a fini, le voilà à Marseille, et la pègre de Marseille, il la connaît déjà pour l'avoir découverte ailleurs. Mais il n'est pas très brillant, Pierre Loutrel, Pierrot Loutrel. Petites agressions, petits vols minables. D'ailleurs, on l'appelle le minable. Mais condamnation et condamnation, ça veut dire quand il arrive à l'âge du service militaire, les BADAF. Alors il faut savoir ce que c'est que les bataillons d'Afrique. Ce sont les BADAF, comme on dit. C'est à Tataouine, au sud tunisien. Chaleur redoutable. Et alors là, on y va que l'on ait assassiné une rentière ou qu'on l'on ait volé 3 francs. On y va si on a été condamné. Et là, on est en présence d'un système qui s'est juré de mater les fortes têtes. Et il est là, Pierre Loutrel, l'enfer sur terre. Et quand il arrive, les anciens lui disent « Bon, il faut te bagarrer avec un ancien, c'est la règle. Tu peux refuser. Et si je refuse, dit Loutrel, là-bas, alors tu seras la femme d'un ancien. » C'est pas du goût de Pierre Loutrel. « Je peux choisir ?»« Oui. Alors choisis ce grand con là-bas aux cheveux noirs. » Le grand con s'appelle Joatia. Fils de Tunisien et d'une paysanne bretonne. Il a fait de la boxe. Il a arrêté parce qu'il ne voulait pas se coucher quand les entraîneurs le lui disaient. Alors, des larcins, mauvais garçons, condamnés, les BADAF. Alors, ils vont se battre. Ben, un ancien boxeur, c'est dur. Alors, d'abord, Pierre Loutrel est envoyé au tapis. Et il se relève. Et on se bat avec acharnement, et finalement, ce sont les anciens qui disent « Arrêtez, on est ici pour 20 ans ». Et voilà une paire d'amis qui va naître, c'est-à-dire Pierre Loutrel et Joatia. Et quand Loutrel est démobilisé en 1938, il a gros cœur, Joatia. Lui, il ne sera démobilisé qu'en décembre 1940. Quelque chose se produit, c'est la guerre. Les Allemands envahissent la France, ils occupent toute la zone là. C'est là que Pierre Loutrel a un coup de génie. Il se rend compte que désormais tout va être permis pour les truands, tout va être permis pour les voyous. Et le voilà qui arrive à Paris au bon moment. Pourquoi au bon moment? Évidemment, Hitler a gagné la bataille de France, mais il lui reste à vaincre l'Angleterre. Et puis il prépare déjà l'invasion de la Russie, alors il faut du matériel, du matériel, du matériel, et il manque de matières premières. Le traité d'armistice oblige la France à fournir des quantités extraordinaires de matières premières, mais il y a une limite. Et la France ne peut pas officiellement fournir davantage. Et c'est alors que les Allemands se disent, le reste, on va l'acheter. Il y a une indemnité journalière pour les troupes d'occupation qui est de 400 millions par jour. Pour la commodité de la chose, les chiffres de cette époque-là sont équivalents aux chiffres d'aujourd'hui. Un franc de cette époque-là, c'est un franc d'aujourd'hui, à peu de choses près. 400 millions par jour. Et ce sera porté en 1943 à 500 millions. Ils n'utilisent pas le tiers.
pour entretenir les soldats de l'armée d'occupation. Et le reste, ça s'accumule au compte des Allemands. Alors avec ce pactole, on décide d'acheter en dehors des règlements. C'est le marché noir. Oui, le marché noir de l'occupation a été délibérément créé par les Allemands. Et il y a un chef pour tout cela, il s'appelle Hermann Brandl. Et voilà, ses amis l'appellent Otto. Et c'est pourquoi est née l'organisation Otto, qui a pour but d'acheter, de rafler tout ce qu'on peut rafler en France, à prix fort. Et il faut dire, et là déjà, ce qu'ont voulu les Allemands, déstabiliser la France, se produit. Beaucoup de Français, d'industriels, de négociants viennent proposer leurs produits à l'organisation Otto. Mais ça ne suffit pas, il faut aller les chercher, ces produits, et on recrute des acheteurs. Et comme aller les chercher n'est pas commode, quelquefois il faut un peu insister, avoir un revolver à la main, eh bien ces acheteurs, on les recrute dans les repris de justice. Le premier, le plus célèbre, sera Henri Chamberlain, dit Lafon. Et oui, la bande Bonnil Lafon, elle naît à ce moment-là. Je vous l'ai raconté ici même, sur cette antenne. Et puis d'autres bandes qui travaillent avec la Gestapo, c'est pourquoi on les appelle les Gestapo françaises. La Gestapo de la rue Lauriston, c'est Bonnil Lafon. La Gestapo de la rue Foch, c'est René Launay. Il y a la Gestapo de la rue de la Pompe, la pire de toutes. C'est un Allemand qui la dirige, Berger, avec des Français comme collaborateurs, dans tous les sens du mot. Et donc, des repris de justice. Lafon est allé recruter dans une prison, faisant ouvrir les portes. C'est dans la Gestapo de l'avenue Foch que va s'insérer Pierrot Loutrel. Le hasard, on ne sait pas ce qu'il préfère. Bon. Alors, qu'est-ce que ça représente d'être membre français de la Gestapo? Eh bien, on a une carte sur soi. Et ça ouvre tout, cette carte. Ça ouvre tout parce que la police régulière française doit laisser faire. Alors, évidemment, on travaille pour les Allemands. On va chercher de la marchandise. On va chercher aussi des résistants. On va chercher aussi des Juifs qu'on livre aux Allemands. Et puis, si les résistants ne veulent pas parler, on les travaille, on les torture dans les caves. Il le fait, Pierrot Loutrel. Mais voilà, c'est que la Gestapo, ça ne l'intéresse pas si Pierrot Loutrel, entre deux opérations, va travailler pour son compte. C'est ce qu'il fait. Et il vole. Et il tue. Et il s'emplit les poches. Et les millions glissent dans ses poches. Et la police française n'a pas le droit de l'inquiéter. Un jour, un homme qui a été pillé par la bande de la rue Lauriston a déposé plainte, aucune suite. Il engage un policier privé qui lui dit « Je les ai suivis. Ils sont rue Lauriston, 93. Il va voir la police française et lui dit « Voilà, je sais où ils sont, mes voleurs. 93 rue Lauriston. Quoi ?» dit la police. « Pas un mot. Partez, monsieur. Au revoir, au revoir. On ne veut même pas vous entendre. S'en est là. » Et cela vérifie encore ce que j'ai dit. Ils sont en train de gagner, les Allemands. Ils pourrissent tout. Alors, Pierrot Loutrel, voilà ce qu'il fait. Voilà quel est son travail. Et pour les grandes opérations, par exemple, démantèlement d'un réseau, alors les Gestapo françaises travaillent en collaboration. Le mot me revient toujours aux lèvres, vous comprendrez pourquoi. Et c'est ainsi qu'un jour, Pierrot Loutrel va rencontrer Lafon, Bonny, un ex-policier d'avant-guerre, pourri jusqu'à la moelle des os. Et puis des hommes qui deviendront ses copains, Abel Danos, un colosse. On l'appelle le mammouth, mais il a une toute petite cervelle. Et puis aussi Henri Feufeu. Et puis le nid. Et puis il y a son copain, Joatia, qu'un beau jour il retrouve dans Paris. Pas du tout dans les mêmes filières, parce que Atia, lui, ça ne lui plaît pas, la Gestapo. Il est l'un des truands qui ont choisi la résistance. Oh, il n'a pas changé, il continue ses braquages, il continue tout son activité d'avant, et elle est florissante, cette activité. Mais les Boches, il n'aime pas, les Fritz, il n'aime pas, donc pas de Gestapo. Henri Lafon n'aime pas qu'on ait l'air de le critiquer. Ne pas travailler avec lui, c'est le critiquer quand on est un truand. Donc il convoque Joatia, il lui dit, Jo, c'est vrai que tu ne veux pas travailler avec moi? Oui, j'aime pas les Fritz. Qu'est-ce que tu veux, Henri? J'aime pas les Fritz.
Alors il le laisse partir, mais il a juré de l'avoir au tournant. Il le fait arrêter par des policiers réguliers et on le lui amène. Alors tu marches avec nous? Non. Tu marches avec nous? Non. Alors on le torture de la même manière qu'on aurait torturé un résistant. Il dit toujours non. Et la fond dit bon, on le bute. Et à ce moment-là, il y a le mammouth, Abel Danos. Il l'aime bien, Joe. Et il a la seule idée de sa vie. Dans sa petite cervelle, il dit, Henri, c'est idiot de le buter comme ça, ça ne nous sert à rien. T'as qu'à le livrer au Boche, et tu pourras dire, regardez, comme on est fort, on a arrêté un résistant. Pas bête. Et on le livre aux Allemands. Danos s'est dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il pourra peut-être s'évader. En fait, Atia ne s'évade pas. Il est déporté à Mauthausen, l'un des camps de concentration les plus célèbres, hélas. Et là, il faut convenir qu'il sera héroïque, admirable, pendant tous les longs mois de sa déportation. Pourquoi pas? Et des résistants parmi les plus grands témoigneront que Atia a été un camarade exemplaire et qu'il a sauvé beaucoup de Français là-bas. C'est pas le cas de Pierrot Loutrel. Pierrot Loutrel, il est à Paris et il participe à cette immense entreprise de corruption. Qui va son train, qui va bon train. Et Rue Lauriston, quand il vient partager les repas pantagruéliques de ses copains, il rencontre quelquefois un gros homme, adipeux. On le lui présente Monsieur Joseph. En fait, ce Monsieur Joseph s'appelle Joanovici. Et lui aussi illustre bien le temps de Pierrot le Fou. Il est arrivé en 1925 de la Bessarabie, là où il est né, il est juif et il en a assez de subir avec sa femme des pogroms. Alors il est venu à Paris. Il connaît personne, il ne sait pas le français, il ne sait ni lire ni écrire. Il saura pendant des années ni lire ni écrire, mais il ajoutait avec son accent d'Europe centrale, « Oui, mais je sais compter !» C'est vrai, il sait compter. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut faire, cet homme qui arrive à Paris? Il devient chiffonnier. Les poubelles, tout le monde peut faire ça. Puis très vite, il gravit un échelon, il devient ferrailleur. Très grand ferrailleur. Et en 1939, il a des dizaines de camions qui sillonnent les routes de France pour acheter les métaux, les vieux métaux. Et à Paris, il a un entrepôt à Clichy avec des dizaines d'employés qui travaillent pour lui. L'ascension de M. Joanovici est remarquable. Pas grand-chose, le pays est battu. Et à l'automne 40, l'un des premiers visiteurs de Otto, de l'organisation Otto, d'Hermann Randl, de soi-disant Otto, eh bien c'est Joanovici qui préfère d'ailleurs se faire appeler Monsieur Joseph. Et il y a le coup de foudre entre les deux. Randl connaît bien les hommes. Et il a compris que celui-là était très, très fort et que c'était une recrue de prix, de grande valeur pour les Allemands. Et il va confier à M. Joseph la tâche de récolter partout en France des vieux métaux. Et il va en récolter 100 000 kilos par jour. Et il est payé chaque semaine en billets de 5 000 francs. Il vient les chercher. Et savez-vous ce qu'on lui donne chaque semaine? 100 millions. Et un quart, c'est son bénéfice net. Alors il apporte des vieux sacs de pommes de terre et on empile les billets dans ces sacs. Quand il y en a trop, on fait venir le chauffeur pour les porter dans la voiture. Voilà M. Joseph Joanovici qui est entré en scène. Et savez-vous combien il gagnera? De 41 à 43. Bénéfice, je parle du bénéfice net, 4 milliards de l'époque, ce qui fait 4 milliards d'aujourd'hui. Pour ceux qui en seraient à tort aux anciens francs,
400 milliards. Alors, ça marche la corruption. Et il est le roi, monsieur Joseph. Bien sûr, il est juif. Mais il est allé demander au commissariat aux questions juives un certificat d'arienté. Alors on lui a ri au nez, alors il s'est déplacé, a montré derrière lui deux SS avec une mitraillette. Et on a juré tout de suite qu'il était bien arien. C'est pas banal, hein. Deux SS qui exigent avec une mitraillette que l'on certifie qu'un juif ne l'est pas. En 1943, en décembre, dans le salon particulier du restaurant Zimmer, des hommes sont réunis. Ce sont les chefs du réseau Honneur de la police. Ce sont des policiers résistants. Il y a des policiers collaborateurs, bien sûr. Il y a aussi des policiers résistants. Ceux-là sont les chefs. Et tout à coup, la porte s'ouvre brutalement. Des hommes, des Français, entrent, exhibent une carte. Gestapo ! Oui, ce sont des gens de la Gestapo de la rue Lauristan. Il y a là même Clavier, qui est le neveu de Lafont. On travaille en famille là-bas. Et on arrête tout le monde. Tous les chefs du réseau des policiers résistants sont déportés. Plusieurs n'en reviendront pas, à commencer par leur chef suprême. Il y a deux comparses qui n'ont pas été arrêtés par miracle. Fournet, un brigadier de police. Épier Noir, un agent cycliste, ce qu'on appelait à l'époque une hirondelle, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais par la force des choses, justement, eh bien, ces deux hommes vont prendre la direction du réseau. Et très rapidement, ceux qui servent sous leurs ordres vont être stupéfaits de voir arriver de l'argent, des armes, des voitures, de tout. Ce que les autres réseaux n'ont pas, et les autres chefs de résistance jalousent Honneur de la police et disent à Pied-Noir et à Fournet, mais comment faites-vous? Et Pied-Noir et Fournet répondent, ben voyez-vous, on a recruté un gros commerçant. Il est d'origine russe, mais qu'est-ce qu'il est patriote? Et c'est lui qui nous donne ça par amour de la France. Et ce patriote, tout simplement, c'est Joannovici. Il a senti venir le vent. Ben oui, 43, ça branle dans le manche. Et il s'est dit, il faudrait avoir des assurances de l'autre côté. Alors, ce démantèlement du réseau, ce n'est pas par hasard. Il a demandé à ses amis Bonny et Lafont de lui rendre ce service, d'arrêter tout le monde. Et c'est lui, sans qu'il le sache même, les malheureux d'ailleurs, mais ils le paieront bien cher, c'est lui qui a placé à la tête du réseau Pied-Noir et Fournet, et c'est lui maintenant le chef du réseau. Et pendant ce temps-là, Pierrot le fou, lui, plastronne dans les boîtes de nuit de Paris avec des costumes somptueux. Il roule au volant d'une Talbot Lago rouge. Il aime tellement la voiture qu'on l'appelle Pierrot la voiture. Et puis, il a une très belle propriété sur la Côte d'Azur où il conduit sa compagne, Marinette, qu'il appelle Jackie. Jackie, c'était son prénom du temps où elle tapinait rue de Douai. Et il en jette, Pierrot. Il y a un ennui, c'est que ses chefs, quelquefois, le redoutent un peu. Il a le revolver facile. Il tue même quand ça n'est pas indispensable, même quand ça n'est pas nécessaire, même quand il pourrait faire autrement, il aime tuer. Voilà qu'il y a le débarquement. Et puis les alliés en Normandie qui avancent et qui s'approchent de Paris. Panique chez les collaborateurs. Bonny Lafont affolé. Et Joannovici qui leur dit, mais je vais vous envoyer une de mes camionnettes. Ne vous inquiétez pas, vous mettrez dedans ce que vous avez de plus précieux. Et puis je vous trouverai une maison dans les environs de Paris, vous vous ferez oublier. Et il le fait. C'est le temps où, parce qu'il faut tout de même faire plaisir aux Allemands et à leurs amis, il ravitaille en armes les miliciens de Darnan chargés de réduire le maquis du Vercors. Mais les camions de Joannovici qui vont
porter des armes aux miliciens s'arrête en route dans des maquis qu'il ravitaille parallèlement. Il a un pied dans la collaboration, un pied dans la résistance. Et puis c'est l'insurrection de Paris, les alliés à Paris. Et pendant l'insurrection, c'est la police qui a mené le branle. Souvent, la préfecture de police s'est insurgée et est devenue un bastion retranché. Et là, les armes, ben, c'est M. Joseph qui les a fournies. Les voitures, l'essence, c'est M. Joseph. On célèbre la victoire de l'insurrection. Et Pied-Noir et Fournet sont encensés grâce à la police, et la police résistante, c'est Pied-Noir et c'est Fournet. Fournet devient commissaire divisionnaire, et Pied-Noir, inspecteur principal. Et Pied-Noir et Fournet chantent les louanges de M. Joseph, leur ami. Celui qui a tout fait, c'est tout juste, si ne serait pas en train de déclarer, on n'aurait jamais pu chasser les Allemands sans M. Joseph, et lui prend un air modeste. Et on le reçoit à la préfecture de police avec tous les honneurs réservés à son rang. Et il sable le champagne avec M. Buizet, préfet de police, nommé par De Gaulle. Quel résultat pour M. Joseph. On est en train d'arrêter beaucoup de monde. Le petit journaliste qui a écrit trois lignes dans un journal de la collaboration est jeté en prison. Mais M. Joseph, lui, est libre et honoré. Et savez-vous ce qu'il fait? La police n'a plus rien à la libération, on manque de tout alors. Il fait cadeau de toutes les voitures dont il dispose, et il en a beaucoup, aux policiers parisiens. Et puis il fait cadeau aussi d'un avion. Ceux qui sont en âge de se souvenir se souviendront sans doute de cet avion blanc qui survolait les défilés, les cortèges. À l'époque, c'est M. Joseph qui l'a offert. Et il déclare même, j'ai deux filles, j'assurerai leur avenir, mais j'aime tant la police que j'ai inscrit la préfecture de police sur mon testament comme légataire universel. On en est là. Alors comment voulez-vous que devant un tel exemple, un Pierrot Loutrel, un Pierrot la voiture, qu'on appelle depuis peu de temps Pierrot le dingue et quelquefois Pierrot le louf parce que tout de même il a abusé de la gâchette, comment voulez-vous qu'un Pierrot n'en prenne pas de la graine? Il a compris en même temps que M. Joseph. Nous l'avons vu arriver à Toulouse, voulant réussir sa reconversion. Et il a réussi, puisqu'il y a eu l'affaire Claverie et l'autre exécution à laquelle il a pris tant de plaisir. Et il y a un autre résistant à ce moment-là, qui s'appelle Henri Finkbeimer, mais qui trouve mieux de se faire appeler Lucien de Marmande, le capitaine Lucien de Marmande, qui le recrute dans son propre réseau. Et lui, maintenant, il se fait appeler le lieutenant d'Héricourt, avec lui aussi, la particule, ça fait vraiment mieux. Et il va aux côtés de Marmande, de participer à toutes les actions de la libération de Toulouse et puis de ce qui va suivre, qui n'est pas toujours réjouissant. Parce que maintenant, Pierrot Loutrel décide de faire rendre gorge aux collaborateurs. Il a recruté deux lieutenants. Il y en a un qui est un véritable résistant, Raymond Naudy, mais l'autre, c'est Henri Feufeu, qui l'a rejoint à Toulouse, qui vient de Paris, souvenez-vous, Henri Feufeu, membre de la Gestapo de la rue Lauriston. C'est à ne pas croire. Mais oui, mais c'est ainsi. Je vous ai dit qu'on avait voulu déstabiliser la France.
tous les trois, bon, ils arrêtent peut-être des collaborateurs, ils les livrent, mais ils les pillent. Et ce sont leurs poches qui se remplissent. Et quelquefois, ils torturent pour faire avouer à des gens qui n'ont rien fait l'endroit où ces gens cachent leurs biens. Alors, les chefs de la résistance toulousaine finissent par s'alarmer. On décide qu'on va faire le ménage. Et dans certains réseaux, on fusille, sans autre forme de procès, des gens qui pillaient sous le masque de la résistance. On arrête Pierrot Loutrel, on le jette à la prison Saint-Michel, d'où on va presque aussitôt le relâcher. Et pourquoi? Tout simplement parce que il y a des gens qui savent que Pierrot Loutrel sait des choses sur eux, des gens qui ont encore le bras long et qui l'auront de nouveau. Et on intervient parce qu'il vaut mieux que Pierrot Loutrel ne parle pas. Et savez-vous par qui il va être recruté? Par les services secrets français, qui vont l'utiliser en Espagne. Et vous allez me dire, voyons, est-ce que les services secrets militaires français ne pouvaient pas recruter d'autres agents? Tout est déstabilisé. D'ailleurs, il n'y a pas que nous. Cette guerre a tout déstabilisé. C'est le temps où les services secrets américains recrute en Allemagne un certain Klaus Barbie. On utilise Pierrot Loutrel en Espagne. Il y a un autre grand trafiquant, l'émule de Jovanovici, Skolnikov. Il est parti avec 800 millions en bijoux et des documents, parce qu'il sait des choses. Et grâce à ces documents, il pense que personne ne pourra le mettre en danger. Mais voilà, on retrouve à Burgos sa voiture qui a brûlé, son cadavre. Il n'y a plus de diamants et il n'y a plus de documents. Pierrot Loutrel était tout près et aussi un certain Katz, un Allemand, membre de la Gestapo allemande de Toulouse. Et le colonel Rémy, plus tard, s'est étonné, s'est indigné. Pourquoi avoir recruté un Allemand? Il aurait pu ajouter pourquoi avoir recruté Pierrot Loutrel. Et Pierrot Loutrel va pouvoir regagner Paris, où il retrouvera son ami, Monsieur Joseph, au comble de la gloire. Et pourtant, ça a failli aller mal pour M. Joseph, parce que, malgré tous les témoignages qui arrivaient de partout, il a rendu service à la résistance, il a ravitaillé les maquis, etc., etc., il y avait des gens qui savaient. Et la sécurité militaire a reçu de tels témoignages sur les méfaits de M. Joseph et sur ses crimes. Parce que M. Joseph était un criminel impitoyable. Il y avait des gens qui le gênaient, il les a fait abattre. Je suis le frère Émile Elbert, qui a vécu la fusillade de la Brosse Monceau. Jovanovici, donc, est passé il y a peu de temps avant qu'on ne soit arrêté. Nous avons été arrêtés le 24 juillet 1944 par un type de la Gestapo qui est venu vers 5h, 4h30, 5h du matin, puisque la maison était toute cernée par des SS. Il avait fait abattre 5 moines dans un monastère quelques jours avant la libération pour se procurer des armes. Et Scaffa le savait, on a abattu Scaffa et d'autres. Les morts étaient donc toujours sur la pelouse. On nous a demandé de bien vouloir les jeter dans un puits, donc dans ce puits qui existe à l'heure actuelle. Alors la sécurité militaire le fait arrêter. Le voilà en prison. Et lui, de dire, vous voulez arrêter Bonny Lafont? Alors on les cherche partout, Bonny Lafont. Oui, on veut les arrêter. Eh bien, moi, je peux les arrêter pour vous. Eh bien, donnez-nous leur adresse. Non, il faut que j'y aille moi-même. Libérez-moi. Et on libère. Et il va trahir ses amis, Bonny Lafont, et les livrer à la police. Bravo, monsieur Joseph, mais attendiez-vous davantage de lui? Et il rentre en prison comme une victime. Alors là,
de nouveau des interventions, mais enfin, il a risqué sa vie pour arrêter ces bandits, Bonny et Lafont, et vous le remettez en prison après tout ce qu'il a fait. C'est un héros de la résistance. Et alors, des témoignages arrivent de partout, vrais d'ailleurs, quelquefois faux aussi. Pieds Noirs et Fournet en remettent beaucoup, disons-le, et on le libère. Et il rentre triomphalement à la préfecture de police, comme si c'était sa maison. Et le préfet Luizet le prend dans ses bras, et tout le monde pleure. Fournet et Pieds Noirs répandent des larmes de joie. Leur patron, leur héros, est libre. Il n'y en aura plus que pour lui. Il a maintenant un hôtel particulier, boulevard Malesherbes, où il reçoit tout le gratin parisien. Des réceptions fastueuses, l'argent coule, les millions coulent. Et il regagne d'autres millions. Voilà l'après-guerre voulue par les Allemands. Alors Pierrot Loutrel est à Paris. Et un jour, dans un bar, lui qui roule toujours sur l'or, il rencontre son vieux copain, Joatia, fort mal en point, il faut le dire, très amaigri par la déportation. Il vient de rentrer. Il a été épatant pendant les derniers temps du camp de Mauthausen. Il a tout pris en main. Les témoins diront que il faisait peur même au capot par son audace. Il a sauvé les résistants à la fin, les a ramenés lui-même en France, ne voulant pas revenir par la filière normale. Il trouvait que ça durait trop longtemps. Il a ramené aussi deux Allemandes qu'il avait sauvées des Soviétiques. Et les deux Allemandes, quand il est arrivé à Paris, eh bien, il est allé les vendre à un exportateur. Oui, un exportateur de blanches, c'est la traite des blanches, vous avez entendu parler. Pour l'Amérique du Sud, on n'a jamais plus entendu parler de ces deux filles. Alors, je sais bien que on a chanté les louanges de Joatia. Moi, je ne vais peut-être pas très loin dans ces louanges. Il a touché 300 000 francs pour ces deux filles, qui lui avaient fait une entière confiance. Mais enfin, les 300 000 francs, il les a dépensés rapidement. Datia, il avait une femme, une petite fille de 2 ans qu'il ne connaissait pas. Ils avaient faim, on a meublé l'appartement, etc., etc. Il n'a pas grand-chose, il est là, un peu minable, à son tour, et Pierrot, lui, est splendide. « Rejoins-nous, dit Loutrel, viens travailler avec nous, j'ai mis au point une technique formidable. On va travailler avec des voitures, on va aller très vite, on va faire des coups énormes. »« T'as une bande, dit Atia. »« Oui, j'ai une bande. »« Il y a Abel Danos, tu le connais bien. »« Le mammouth, c'est lui qui a voulu te sauver. »« Oui, je le connais. »« Il y a Bouche Sèche, tu connais le gros Joe ?»« Oui, je le connais, dit... » Loutrel, qui sait très bien que Bouche Sèche, chez Bonny Lafont, était un de ceux qui aimait bien faire avouer les résistants par des méthodes non recommandables, particulièrement non recommandables. Et puis il y a Henri Feufeu, oh oui, encore, hein, de la Gestapo, pas un gentil. Et puis alors il y a aussi Raymond Naudy. Ah ben je connais pas. Non, c'est un résistant que j'ai vu à Toulouse. Ben c'est des amis tout ça maintenant. Ils seront les tiens si tu le veux. Et Atia hésite parce que la Gestapo, il n'a jamais aimé. Oh, fais pas le râleur, Joe, dit Pierrot. Écoute, Naudy, il est déjà un résistant. Si tu viens, tu seras un second résistant. Alors oui, il y a des gars de la Gestapo, mais il y aura aussi des gars de la résistance dans ma bande. Moi, je travaille pour la réconciliation française. Oh, oui, il a osé dire ça. Et c'est ainsi que Atia est rentré dans la bande de Pierrot le Fou. C'est ainsi que l'année 46 va être l'année folle de Pierrot le Fou. Car maintenant, on va l'appeler Pierrot le Fou, surtout après ses premiers grands coups. C'est la presse. Dans le milieu, ça va pas bien de dire Pierrot le Fou, c'est Pierrot le Louf, Pierrot le Dingue. Mais la presse va l'appeler Pierrot le Fou. Et désormais, ça va très très vite et très très fort. Le 7 février 46, c'est l'attaque du Crédit Lyonnais de l'avenue Parmentier à Paris. 3 500 000 francs. Les passants sont paralysés par la rapidité, par le calme, par la discipline des agresseurs. Moi, je croyais qu'on tournait un film, dira un témoin. 11 février 1946, vol du sac postal de la gare de Lyon, 8 millions de francs, ça dure une minute. 28 mai 1946, attaque d'un encaisseur à Aix-en-Provence, car la bande descend dans le midi. 450 000 francs, 8 juin 1946, un coffre-fort à Cagnes, 110 000 francs, cette fois un gendarme est blessé. 1er juillet 46, attaque de la chambre forte de l'hôtel des postes à Nice. 1 minute 35 secondes.
33 millions de francs, la plus grosse opération jamais réalisée par le gang des tractions avant. Ça y est, on les appelle le gang des tractions avant. Alors la police est sur les dents. On travaille au corps tous les indicateurs de la Côte d'Azur. On leur dit que c'est vraiment leur intérêt de trouver des informations. Eux, ils hésitent parce que le gang des tractions avant, c'est des dangereux. Parce que Pierrot le fou, il a toujours la gâchette très sensible. Et pourtant, une information, et on les cerne dans un hôtel de Cassis. Oui, mais Pierrot le fou tire dans le tas, et ils arrivent à sortir. Alors cette fois, c'est la célébrité. Les gros titres partout, et la police en même temps qui est insultée couramment. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la police? Toujours le même procédé, et une ou deux tractions qui arrivent à toute allure, les hommes qui jaillissent, les convoyeurs, ils adorent les convoyeurs tués s'il le faut, en tout cas annihilés. L'information parvient précisément à la police à ce moment-là, selon laquelle la bande de Pierrot le fou se réunit à Saint-Maur dans une auberge appelée Les Marronniers, exactement où je suis aujourd'hui. Or, on est tout de même un petit peu plus informé sur la bande, car il y a des témoins, notamment deux postiers qui avaient survécu à l'une des tueries de Pierre Loutrel, qui ont dépeint au moins deux des hommes de la bande. Et les policiers ont reconnu indiscutablement Georges Bouche-Sèche et Joatia. Et quand l'inspecteur Nouzeil se présente ici au Marronnier, il est persuadé que peut-être il trouvera au moins Bouche-Sèche et Atia. Et il entre dans la salle de l'auberge, là derrière, personne. Simplement le patron qui est derrière son comptoir. Et ce patron, c'est André Finkenbeimer, souvenez-vous, le résistant de Toulouse, comme tout se retrouve dans cette histoire, comme c'est curieux. Et simplement, Finkenbeimer, qui est très courtois, très poli, demande à l'inspecteur Nouzeil, qu'est-ce que je peux vous servir? Et Nouzeil dit, mon pied dans le cul si tu veux. Et l'autre proteste. Il dit, monsieur, je ne vous permets pas de me traiter de cette manière. Mes papiers sont en règle, je suis André Finkenbeimer, ancien capitaine de Marmande, rosette de la Résistance. Alors, qu'est-ce que peut faire Nouzeil? Il se dit, j'attends. Et il s'installe là, tranquillement, dans la salle, lorsqu'un petit gosse d'une dizaine d'années arrive et demande au patron 6 paquets de gauloises que le patron lui sert. Et ça fait tilt chez l'inspecteur Nouzeil. 6 paquets de gauloises. Or, d'après tous les rapports, d'après tous les témoignages, la bande se compose de 6 personnes. 6 paquets de gauloises, ça y est, c'est pour les truands de Pierrot le fou. Et à ce moment-là, l'inspecteur Nouzeil décide de suivre le gosse de loin, et il le suit en effet, et le gosse va suivre la Marne, va passer le pont et aller de l'autre côté de la Marne. Nous y voilà. Et le gosse a conduit Nouzeil vers une auberge qui s'élevait à peu près ici. En fait, elle a été démolie depuis. Il y a des maisons à la place. Et Nouzeil s'avance sans se faire remarquer, bien sûr. C'est le lot même d'un policier. Et il y a des consommateurs à l'intérieur de l'auberge.
et il aperçoit parmi ses consommateurs Bouche Sèche, qu'il connaît très bien. Bouche Sèche, l'un des membres de la bande, donc on avait raison, c'est là, ils sont tous là, on va les prendre au piège. Et Nouza, il va aller téléphoner un peu plus loin, appeler tout ce qu'on peut appeler de renfort de police, demander, envoyez-moi tout ce que vous avez disponible, il faut cerner la maison. Et en effet, les policiers arrivent bientôt, et ils vont peu à peu prendre position autour de l'auberge, et bientôt, elle est, comme le souhaitait Nouza, totalement encerclée. Et quand les policiers sont arrivés de Paris, ils se sont installés tout autour de la maison, ils se sont tapis dans les herbes, dans les cabanons, autour des cabanons voisins, derrière des pans de mur, derrière les palissades. Et quand la maison a été, l'auberge a été complètement encerclée, l'officier de police Casanova a hurlé dans un porte-voix, « Rendez-vous, vous êtes cernés, sortez tous les mains en l'air. » Et au moment même où il a dit cela, eh bien la lumière s'est éteinte à l'intérieur de l'auberge. Or, un homme, seulement un seul, va obéir. La porte du bas s'ouvre et cet homme s'avance. Il n'a pas le temps de demander ce qui se passe qu'une rafale là-bas, il est mort et on tire le cadavre à l'intérieur. À partir de ce moment-là, plus personne ne bouge à l'intérieur. Et c'était une erreur tragique, une erreur épouvantable, insensée. En fait, il y avait bien Bouche Sèche à l'intérieur. L'inspecteur Nouzé ne s'était pas trompé. Mais il y avait, pour le reste, simplement des figurants et des techniciens du studio de cinéma voisin qui étaient venus après le tournage boire un verre. C'était rien de plus, rien de moins. Mais après les premiers coups de feu, l'un des cinéastes a téléphoné. Il a téléphoné où? Au commissariat de police de Nogent, en disant « Des gangsters sont en train de nous assiéger, venez à notre secours !» Et immédiatement, les braves policiers de Nogent sont arrivés à toute allure. Et quand ils sont sortis de leur car, ils ont aperçu en effet des hommes tapis dans les herbes, dont certains avaient un revolver pointé vers l'auberge, et ils se sont dit « Les voilà les gangsters !» Et ils ont ouvert le feu sur les soi-disant gangsters qui n'étaient que leurs collègues de Paris. Alors les gangsters policiers, eux, ont tiré sur ceux qui les agressaient par derrière, qu'ils prenaient également pour les gangsters et qui n'étaient que leurs collègues de Nogent. Le plus extraordinaire, et c'est un véritable miracle, eh bien, c'est que cette fusillade n'a fait aucun mort, pas même un blessé léger. Je mets ça sur le compte de l'époque, de la dénutrition générale depuis 4 ou 5 ans. Certainement, ces valeureux policiers français étaient très affaiblis. À l'intérieur, on est affolé. Et le patron de l'auberge, Mario Prost, décide de téléphoner à Pierre Loutrel parce que il est très possible que Pierre Loutrel arrive avec Joatia. Ils ne sont pas là. Il ne faut surtout pas qu'il vienne se jeter dans la gueule du loup. Il n'a pas Pierre Loutrel qui est ivre-mort. Il est maintenant ivre-mort tous les jours. Son degré d'éthylisme atteint un maximum rarement égalé. Il en est au délirium très mince. Il a des crises épouvantables. Il faut qu'on soit deux ou trois pour le tenir. Il voit des images qui le font hurler de peur. Et il est hors d'état de répondre au téléphone ce soir-là. C'est Joatia qui répond. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a la police, surtout, venez pas. Et Bouche Sèche, demande Atia, puisque Bouche Sèche est dans l'auberge. Ben, il est là, mais je vais essayer de le faire sortir. Pas du tout, j'arrive. C'est moi qui vais le faire sortir, c'est de la folie pure. Mais Atia, bon, vous savez, la camaraderie, l'amitié dans le milieu, ça existe. Pas toujours, moins qu'on le dit dans les romans policiers, mais ça existe. Et Atia saute dans la voiture. Et fonce vers l'auberge assiégée. Il traverse un pont, les policiers sont devant, on lui tire dessus, il fonce toujours, il y a des policiers partout, il se lève, il lui tire dessus, une première balle en plein corps, une deuxième balle dans la tête, une troisième balle, il est blessé grièvement, le sang coule de partout, sa vue se trouble, on lui tire dans les pneus de la voiture qui se met en travers, il sort de la voiture, se met à ramper dans l'herbe, on ne le retrouve pas. Autre miracle insensé. On ne le retrouve pas. Et il va réussir à se traîner dans un autre bistrot voisin, à faire téléphoner à un copain, Cornelius, et il s'évanouit. Quand il se réveillera, mais longtemps plus tard, il aura autour de lui ses copains, sa femme, et puis aussi sa fille.
Et puis la femme de Pierrot Loutrel, il l'a, Pierrot Loutrel. Et bouche sèche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, bouche sèche, finalement, Mario Prost, le propriétaire de l'auberge, l'a fait évader par une trappe vers un puits qui est non loin de là. Et il s'est enfoncé dans le puits et il a passé des heures sous l'eau avec une paille. Oui, il avait une paille dans la poche et il a respiré par cette paille. Quand les policiers ont regardé dans le puits, ils n'ont rien vu. Alors Mario Prost, le propriétaire de l'auberge, a décidé de se rendre. Il a monté au premier étage, il a ouvert la lumière, il a ouvert les volets, la fenêtre, et s'est présenté dans cette lumière devant la fenêtre. Et il a levé la main. Et au moment où il levait la main, beaucoup plus que ça, croyez-le, mort dans l'instant. Alors à partir de ce moment-là, la bataille de Champigny, comme dira ironiquement la presse, eh bien, la police n'emportera pas beaucoup de gloire. C'est le contraire, on la critique de plus en plus, et elle cherche, la police, elle cherche éperdument, et elle ne trouve pas. Et simplement, elle va trouver l'un des gangsters, un informateur, comme toujours, une voiture volée, on est parti de là, et on arrête, on ceinture dans un bistrot, Henri Feufeu. Et Henri Feufeu, l'ancien de la Gestapo, Henri Feufeu, va revivre sur sa propre personne ce qu'il avait fait subir à tant de gens. On va le cuisiner pendant 96 heures. Je dis bien d'affilée, des groupes de policiers qui se relaient. Et au bout de 96 heures, il a une tête double du volume normal. Il a les côtes enfoncées. Il a les mains en sang, il a tout. Mais voilà, Henri Feufeu n'a pas parlé. Bon, on dit quelquefois, dans les truands, parmi les truands, il y a des hommes. C'est pas toujours vrai, c'est même pas souvent vrai. Il y a autant de lâcheté, sinon plus, dans ce milieu-là que dans les autres. Mais, rit-on, Henri Feufeu, ben, ce jour-là, il a quand même été un homme. Il a rien dit. 96 heures. Mais pour le gang, la vie continue et Pierrot Loutrel, Pierrot le fou, décide d'attaquer une bijouterie, celle de Monsieur Sérafian. Il entre. Malheureusement, l'affaire a mal tourné. Le bijoutier a crié au voleur et puis Pierrot le fou a dégainé. Jovatia et Bouche Sèche, qui se trouvaient de l'autre côté de la rue, voyant Sérafian poursuivre Loutrel, ont tiré, on ne sait pas quelle balle émanant du pistolet de Jovatia ou de celui de Bouche Sèche a abattu le bijoutier, sur le corps duquel un autobus est passé, et Pierrot le fou est remonté dans l'attraction avant. L'attraction a démarré, Pierrot le fou a voulu rengainer son arme, et malheureusement la gâchette s'est prise dans la boucle de sa ceinture, le coup de feu est parti accidentellement, et il a été grièvement blessé. On l'a transporté d'urgence, grâce à la complicité d'un médecin ami, d'un médecin marron, dans une clinique de l'avenue de Ménil. Et là, pendant 3 jours, il a été entre la vie et la mort. Mais on a réussi tout de même à recoudre, à enlever tout ce qu'il faut, à installer une sonde de plus d'un mètre, d'une part, et de l'autre, une autre sonde dans l'urètre à cause de la blessure très grave de la vessie. Et il est là, à demi inconscient, et ça dure des jours. Des jours, et les copains viennent le voir tous les jours, et ils le voient s'affaiblir dans un demi-coma dont il ne sort pas. Et le 10, mauvais pronostic du chirurgien. Et les copains qui disent non, il va mourir ici, ou bien il y a trop longtemps qu'il est ici, ça fait des jours, il va être dénoncé, on va l'emmener, il va mourir en prison, c'est pas possible. Et ils le chargent dans leur voiture, et ils le ramènent chez eux. Et là, dans le transport, les sondes se déplacent. Hémorragie interne. Il meurt 3 heures plus tard. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça l'idée étrange, vraiment curieuse, de ses copains. Ils vont l'enterrer clandestinement dans une île de la Seine, sous un saule. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils pensent qu'il est très intéressant pour eux de créer la légende de la survie de Pierrot le Fou. Il faut qu'on croie Pierrot le Fou vivant. Et sous le masque de cette survie, ils pourront agir, eux, et on dira toujours les crimes de Pierrot le Fou. Marinette en voulait à Jovatia, le complice de Pierrot, et à Bouche Sèche, son autre complice,
de ne pas avoir empêché Loutrel d'avoir effectué l'agression à main armée contre un bijoutier Séraphion rue Boissière. Et elle avait menacé les deux hommes de les dénoncer éventuellement à la police si Pierrot ne survivait pas à ses blessures. Malheureusement, Pierrot était décédé. Boussesèche et Joatia ont traversé la Seine dans une barque, Marinette à leur côté, pour enfin aller se recueillir sur la tombe de Pierrot. Et au milieu du fleuve, Boussesèche a sorti un colt et lui a mis une balle dans la nuque. Et la police poursuit toujours Pierrot le fou, l'inspecteur Borniche notamment, qui cherche partout Pierrot le fou, qui est mort. On arrête Attia, car on l'arrêtera. Et Attia dit, ben oui, j'ai pas de nouvelles de Pierrot, je sais qu'il coule des jours assez heureux, mais on ne sait pas très bien où il est, on en arrête d'autres, personne ne sait rien, Boussesèche va être arrêté. Et qui dit, ben oui, je voudrais bien savoir où il est, moi je suis comme vous, vous savez, ben, il avait tellement de fric, c'est son droit de se reposer. Et on pense qu'il est vivant, Raymond Naudy lui a été abattu. Abel Danos, réduit à ses propres moyens, il lui faut un chef, il n'a plus de chef, il ne sait plus quoi faire, cette pauvre petite tête de mammouth. Alors, vous savez comment on l'arrête? Alors qu'il est en train de faire un vol dans une chambre de bonne. C'est pas brillant. Et alors lui, Danos, c'est le seul. On va le poursuivre pour ses crimes de l'occupation, pas les autres. Et il sera fusillé. Moi, je trouve qu'on lui a fait beaucoup d'honneur. On aurait pu le guillotiner. Il ne méritait pas plus. Oui, voilà, c'en est fini de la bande, des tractions avant. C'en est fini du mythe. Et ce n'est que 3 ans plus tard que le copain chez qui on l'avait porté, Edmond Courtois, va enfin manger le morceau. Oui, les policiers l'assaillaient de questions et puis il en avait assez. Il a dit, ben moi je vais vous dire enfin la vérité, je ne sais pas pourquoi on continuerait à mentir. Il est mort, Pierrot. Il est tellement mort que c'est moi, Edmond Courtois, qui l'ai enterré dans cette île de la Seine que vous voyez là-bas, avec Boussesèche et Attia, on l'a enterré tous les trois. Alors imaginez les policiers, on va y aller. Et Courtois, dans l'île, désigne un saule et dit c'est là, au pied de ce saule, qu'on l'a enterré. Terrassier fouille la terre, on ne trouve rien. On fouille, continue à fouiller de plus en plus profond, on ne trouve rien. Et Courtois dit, mais enfin, je n'y comprends rien, c'est moi qui l'ai enterré. Et puis le jour tombe, on revient le lendemain, et là, illumination de Courtois, je me suis trompé de saule. Et il va droit vers un autre saule. On creuse. Et là, on trouve un squelette. Ce squelette pourrait être celui de n'importe qui. Oui, mais avec ce squelette, il y a 2 sondes. 2 sondes en caoutchouc. Or, quand on avait opéré Pierrot le fou, on lui avait mis des sondes. Alors certains vont quand même douter et on va soumettre le cadavre à l'identité judiciaire. Alors le cadavre exhumé le 7 mai 1949 à Porcheville.
est présumé être celui de Pierrot le Fou, ou plus exactement Pierre Loutrel, a fait l'objet de nombreuses investigations en matière de reconnaissance. Il fallait être certain que ce fût le bon. Alors, la première chose qui était évidente, c'était la blessure abdominale dont il avait été victime, puisque c'est celle qui avait finalement dû le faire mourir quelques jours ou quelques heures même après cette blessure. Il avait été opéré, il portait donc des sondes au niveau de la vessie, et ces sondes correspondaient parfaitement à la description qu'en avait donnée le chirurgien qui avait fait l'intervention. Mais il fallait davantage de précision. Or, ces précisions, c'est grâce aux photos signalétiques et aux fiches anthropométriques de l'identité judiciaire qui ont permis une réelle identification. Deux photos anthropométriques ont été prises par l'identité judiciaire, l'une de face, l'autre de profil. Et la superposition de ces photos avec le crâne retrouvé à Porcheville sont parfaitement superposables, puisque celle de face, la photo prise de face, montre une superposition totale des arcades sourcilières et de l'arête du nez, alors que la photo prise de profil montre elle aussi une parfaite superposition de l'angle de la mandibule et du trou auditif externe. Ce sont sur ces deux données très précises que l'identification a pu être formelle en ce qui concerne le dénommé Pierre Loutrel, dit Pierrot le Fou. Il n'y a pas de légende de la mort de Pierrot le Fou, il n'y en a plus. Alors voilà, c'en est fini de Pierrot le Fou. Mais le temps de Pierrot le Fou n'est pas fini. Il s'en faut. Parce que Monsieur Joseph tient toujours le haut du pavé. Ce n'est que l'année suivante, en 1947, l'année qui suit la mort de Pierrot le Fou, qu'enfin on se décidera à arrêter M. Joannovici. Et il va passer en cour de justice. Mais voyez-vous, on devrait le juger pour ses crimes. On devrait le juger pour le meurtre des cinq moines, pour le meurtre de Scaffa, pour le meurtre beaucoup de ces gens qui l'ont gêné et qui l'a éliminé. Mais non, il semble qu'on se soit mis d'accord, sorte de négociation, de transaction. On ne parlera devant la Cour de justice que de collaboration économique. Alors oui, c'est vrai, j'ai vendu de la marchandise aux Allemands, mais j'ai fait travailler beaucoup de Français, messieurs. 5 ans de prison. Indignité nationale à vie. Amende de 50 millions. C'est pas beaucoup, 50 millions. Et quand il sort de prison en 1951, il a beaucoup travaillé d'ailleurs dans sa prison. Il a appris à lire et à écrire. Ça facilite les négociations avec ses correspondants. Alors il peut dire maintenant, je savais gronder, maintenant je sais lire et écrire. Et il sort, il déclare, je suis ruiné, ce n'est pas absolument sûr. Mais surtout, on l'exile en Lozère, à Mende, où il va vivre à l'hôtel de Paris. Il ne s'habille plus, il est en pyjama, en robe de chambre, et avec le téléphone, il refait sa fortune. Il est redevenu ferrailleur comme autrefois, il achète, il vend. Il a cette amende énorme à payer parce que, pendant ses prisons, le fisc et les douanes ont épluché ses comptes, pas ses comptes, il n'en avait pas, mais ont reconstitué ses bénéfices. On l'a condamné à une amende de 4 milliards. Finalement, on l'a réduite à 1 milliard. Alors il paye tous les mois 2 millions. C'est beaucoup, vous savez, dans les années 50, de payer tous les mois 2 millions. Mais ça le fatigue, monsieur Joseph. Je n'ai quand même pas travaillé toute ma vie pour le fisc et les douanes. Et il a une petite amie, Lucie Schmitt, sa collaboratrice. Et ils s'enfuient tous les deux en Israël. Mais les Israéliens ne veulent pas de monsieur Joseph, ils ont bien raison. Le revoilà en France, on le jette en prison, alors là il fait la grève de la faim. Il considère qu'on l'a arrêté injustement.
Et puis il est atteint d'artériosclérose. On le libère par humanité, diront les journaux. En 1962, il est très malade. Il rentre à Clichy, dans un petit appartement de deux pièces. Et c'est là qu'il va mourir. Alors, on va l'inhumer au cimetière juif de Clichy. Il y aura des prières sur sa tombe. Tous les hommes ont le droit à des prières. Mais au fond du cimetière, il y avait quatre personnages avec une énorme gerbe, une énorme couronne. Et quand tout le monde est parti, ils sont venus la mettre sur la tombe. Cette couronne portait un ruban à notre camarade. Honneur de la police. Ses amis reconnaissants. Voilà, c'était quatre policiers qui n'avaient pas oublié qu'autrefois, Monsieur Joseph rendait des services à la police. Alors oui, c'était fini. Monsieur Joseph avait définitivement rejoint Pierrot le Fou. Le temps de Pierrot le Fou était achevé. Où étaient-ils tous les deux ? En enfer, diront les croyants, sans doute. Mais c'est également au temps de Pierrot le Fou que Sartre avait dit que l'enfer, c'était les autres. À moins que les hommes soient assez insensés pour quelquefois le forger, l'enfer, de leurs propres mains.